Avec les élèves aujourd'hui, on va travailler sur les fonds verts. On va voir ensemble comment les éclairer et utiliser les aides que nous fournissent les moniteurs pour vérifier la qualité du signal. On va utiliser une caméra 4K dont on va récupérer le signal en SDI afin de pouvoir récupérer les meilleures images possibles pour le traitement en post-production. Cet écran vert, il va nous servir plus tard à incruster une vidéo que l'on aura préparée. Donc ce matin, avec Harold, nous sommes allés filmer un coin de rue. On a fait une vue en grand angle et l'idée, c'est de vous incruster sur cette vue comme si vous aviez été dans le champ de la caméra. On va installer le fond vert, on va installer la caméra, on va installer le système d'éclairage. Tous les tons vont être mélangés sur le pixel. Tanguy, tu veux bien te déplacer un tout petit peu sur ta gauche. On se rend compte encore un petit peu plus d'ailleurs que les lignes verticales ici se déplacent. Ce symbole en étoile nous présente le jaune, le rouge, le magenta, le bleu. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc et tout est bien concentré dans une zone qui est assez resserrée. Ici, dans le gris. Là, vous avez une lumière qui est un petit peu plus dure. Là, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'éclairer Tanguy correctement. Oui, moi, je vois un contre. Voilà, tu vises les bras, un petit roll, t'es prêt? Au suivant! Ouais, cool, allez prendre la suite de votre cours. Faut se méfier un tout petit peu de ça. Tu joues la vidéo, tu regardes ce qui se passe. Si tu sens que les déformations te paraissent un peu artificielles, rapproche-le de la position originale. Là, on va récupérer les plans qu'on a tournés sur le fond vert. On va les passer dans le logiciel de compositing pour gérer les incrustations. Pour ça, on va utiliser une fonction keyer qui va nous permettre d'éliminer le fond vert et de le remplacer par notre arrière-plan. Tous les cheveux, là, il faut qu'on évite de les perdre. Il va y avoir ensuite tout le travail d'étalonnage. Il va amener à équilibrer les ombres et les lumières par rapport à ce qui est présent dans l'image d'arrière-plan. Et là, on va voir un peu ce qui se passe ici. Ah oui, d'accord. Waouh, c'est bon un peu, non? C'est vachement mieux. Ouais, ça passe bien. On n'est pas très loin au niveau de la température entre l'avant-plan et l'arrière-plan. On va retrouver tous les coloris de ta veste, tout ce que tu portes. Si tu arrives à matcher les ombres, plus à gauche. Thank you.